Salut, salut les amis, c'est Fit for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe DCE Live avec le renfort Icon 90+. Donc ça a baissé, c'est plus les mêmes conditions que celui qui est sorti dans la semaine. Donc on va se le faire sur le compte principal. Par contre les amis, pour une fois, je vais vous dire, pour changer un peu, je vais vous dire, pensez à faire votre renfort connexion quotidien. Et pour une fois, je vais commencer par ça les amis. Parce que j'ai plus rien dans mon club et ça me fait chier d'acheter, même si j'ai les crédits, etc. Ça me fait chier d'acheter. Donc je vais aller ouvrir le pack de joueurs 81+ et le pack de joueurs 83+ qu'on récupère là, normalement. Voilà. Ah non, c'est un joueur 84+. Voilà, on va aller l'ouvrir parce que vraiment je suis en galère. Et puis après, on ouvrira les packs. On ouvrira le pack icône, enfin. On fera la solution du SBC icône, etc. Mais voilà, je préférais vous faire ça maintenant. Donc deux joueurs 81+, c'est comme d'hab. Allez, au moins une petite anime. Au moins des 82, 83, je veux bien. 84, ça se prend aussi. Mais j'ai vraiment plus rien dans mon club. C'est vraiment tendu. Donc, je prends tout ce qui est bon à prendre. Le pack méga, je pourrais presque l'ouvrir. Pack joueur 84+. Ouais, bof. Espagnol, MC, Parero, 86. Ok, ça servira toujours, hein, tu me diras, mais bon, c'est moyen. C'est vraiment très très moyen. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a rien d'autre de ouf. Ouais, on a rien de ouf. Il faut que je vais les ouvrir en tant que vous. Hein, enfin, en tant que vous. Je les ouvre avec vous, tant pis. Mais voilà, il me faut des 83. Il n'y a pas à chier. Il va m'en falloir pour les 3 SBC du renfort icône. Et je n'ai plus rien du tout. Donc c'est tendu. C'est vraiment tendu. Oh, grosse anime, vendable. Écossais, c'est Robertson. Ok, on skip. Ça servira. On a un 82 derrière. Hop. On va voir ce qu'on chope dans le pack méga maintenant. Ça, c'est le pack méga des objectifs, je crois, du palier. Je suis à l'avant-avant-dernier, je crois. Allez, grosse anime aussi. Argentin. AT Dybala, je crois que je l'ai déjà, donc lui il partira dans un SBC. Ah non, je l'ai pas, donc ça devait pas être sur ce compte là. Donc 1,82 et après de la merde. Ouais. Bon, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Hop. Donc voilà les amis, du coup, on passe au renfort icône les amis. Donc c'est parti les amis, il faut compter 170 000 crédits environ, l'équipe notée à 83 coûte 20-25 000 crédits, l'équipe notée à 85 coûte environ 60 000 crédits, et l'équipe notée à 87 coûte environ 100 000 crédits, donc ouais, 20, 80, 180, les prix vont augmenter encore un peu, mais voilà, 180, 185 000 crédits, on est plutôt large. Vous récupérez un petit pack joueur Electrum, un pack joueur Electrum Premium et un pack joueur Electrum Prime, donc c'est pas là avec ça qu'on va se rembourser quoi que ce soit. L'équipe notée à 83, les amis, il fallait un joueur à 85, donc vous mettez qui vous voulez, vraiment, moi je fais ça avec les joueurs de mon club, donc vous prenez pas la tête, vous prenez n'importe quel joueur à 83, ou n'importe quel joueur à 85, ou n'importe quel joueur à 82, en fonction de ce que vous avez dans votre club. Bien sûr, si c'est trop cher, comptez que les 83, ils coûtent 2000 crédits, les 82 coûtent 1000 crédits, voilà, c'est vraiment, il y en a un que, par exemple, j'en sais rien, moi. Volant à 1000 crédits, vous l'avez pas, ben vous passez à un autre, ça sert à rien, il y en a plein d'autres des joueurs à 82, donc ne vous prenez pas la tête, ne restez pas bloqué dessus. Donc les amis, un joueur à 85, 4 joueurs à 83, 6 joueurs à 82, et on est bon. Voilà, tout simplement pour l'équipe montée à 83, c'est parti, on commence avec Théo Hernandez, ben, pour ma part bien entendu, Oliver Baumann, Gregor Kobel, Angelino Duván Zapata, Robin Gosens, Ivan Rakitic, Aurélien Tchouaméni, César Azpilicueta, Ferran Torres, et on termine avec Kevin Volland. Donc ça, c'est pour l'équipe. L'équipe notée à 83, on va passer l'équipe notée à 85 maintenant. Pour l'équipe notée à 85, vous mettez 2 joueurs à 87, pardon, 2 joueurs à 86, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3 et 2, 5, ouais, 5 joueurs à 83, 2 joueurs à 82 et on est bon. Donc là c'est pareil, vous mettez qui vous voulez vraiment, comme vous avez pu le voir, moi j'ai chopé Parero à 86, j'ai chopé Dybala là aussi, j'aurais pu le mettre. Mais voilà, en tout cas,
deux joueurs à 87. J'ai mis mon cousin parce que lui, je sais que je le pack tout le temps. Rodri et Fabinho pour les joueurs à 87. Aymeric Laporte et Daniel Parreiro pour les joueurs à 86. Jordan Anderson, Fabian Ruiz, Pierre-Emile Højbjerg, David Silva, Carlos Soler pour les joueurs à 83. Rui Patricio Kramaric pour les joueurs à 82. On passe à l'équipe notée à 87. Là, forcément, ben, c'est un peu plus cher. Hein. Comme je vous ai dit, il faut coûter 100 000, 110 000 crédits. Peut-être même les prix vont augmenter nettement. Je vais juste faire une petite modification parce que je viens de le voir là. Je vais vous donner le truc et après, je vais changer un joueur parce que forcément, c'est une icône que c'est le dernier icône que j'ai chopé. Donc, j'ai pas envie de le choper en doublon. Déjà que c'est, il est assez pourri comme ça. Si en plus je le chope en doublon, c'est moyen. Donc là, vous mettez, pour l'équipe annotée à 87, vous mettez un joueur à 91, un joueur à 90, deux joueurs à 89, deux, quatre, six joueurs à 83 et un joueur à 82. Donc là, c'est pareil, vous mettez, vous faites avec les joueurs de votre club. Allez, c'est parti, du coup, les amis. Hop, n'importe quel joueur à 91. Moi, j'ai mis Lionel Messi que j'ai chopé pareil dans un pack. Odion Ighalo, ou n'importe quel joueur à 90. Harry Kane et Neymar, ou n'importe quel joueur à 89. Victor Osimhen, Marco Asensio, Luis Alberto, Jesus Navas, Radecki, Kasper Schmeichel pour les joueurs à 83 et Alex Remiro pour les joueurs à 82. Pas besoin de mettre des tots ni quoi que ce soit, mais vous allez remarquer que 91, 90, 89, forcément, les tots, c'est... Ben, c'est plus cool. Alors, pourquoi... Voilà. J'ai pas envie de le rechoper une autre fois, les amis, donc je l'enquille dans le SBC. On soumet l'équipe. Équipe notée à 87, validée. Le SBC m'est revenu pas à grand chose, j'ai juste acheté des 83 et des 82. C'est parti, on va ouvrir les petits packs pourris là, vite fait. Donc pack, petit pack joueur Electrum, celui-là c'est le plus pourri de tous. Hop, on skip. En gros, il y a trois packs Electrum, hein. Le premium, le pourri, le plus pourri, le prime et le premium et le prime. Allez, petite anime, c'est cool, on récupère des folders, ça m'évitera de les acheter, 83, impeccable. Mec qui chope un 83, il est content dans un pack. Après, on continue, pack joueur Electrum Prime. Les amis, je pense qu'on se fera fut champion en live demain matin, dans le tour de 9h30, 10h, on attaquera là, je pense. Et on le finira mardi, si je l'ai pas fini demain. Allez, donc ça c'était bon, on continue du coup, pack Icon Prime. Prime, Totti, Fut Birthday, Titan, c'est parti. Alors, c'est un Prime, j'aime pas ça, on dit que c'est un Prime portugais. Ah, mais non! Mais non! Oh, enfin, ça paye, les amis! Enfin! Oh, putain! Bon, je sais pas si c'est encore jouable, honnêtement. Je sais pas si c'est jouable, mais franchement, eh, ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Ça fait grave, grave plaisir. 94 de vitesse, 94 de tir. Ouais, je sais pas si c'est jouable. J'avais testé le Fut Birthday, je l'avais adoré, le Fut Birthday. Le Prime, bah, à voir. Je crois que c'est la première fois que je le chope, lui, de tous les FIFA confondus. Donc, c'est plutôt cool. Enfin, ça paye. Donc, j'espère juste que bah, ceux qui vont le faire vont avoir de la chance. Hein. Honnêtement, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de douilles avant de tomber sur sur un joueur à peu près jouable. Si on prend l'équipe telle quelle, je vous montre vite fait, ça c'est l'équipe pour faire mon clash d'équipe de merde. Est-ce qu'il va rentrer? Telle est la question. Je sais pas si je vais arriver à l'enquiller. Peut-être à la place de Son, mais franchement, Son, c'est... Il est incroyable. Il est incroyable, mon Heung-min. C'est que du fut champ ou des rivals, donc il a carrément des sales stats. Donc je sais pas encore, franchement, je vais me tâter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi qui vous avez eu en commentaire, en tout cas, ça fait grave plaisir, franchement, les amis. C'est rare qu'à la fin d'un pack icon, je sois aussi content. Enfin, c'était encore jamais arrivé. À part quand j'avais eu Puskas. Je crois que c'était le seul moment où... C'était sympa. Pensez à faire votre pack dans la boutique à 10 crédits. On ne sait jamais. Oh, grosse anime. Incroyable. Portugais DC Ruben Dias. Eh ben,
C'est la soirée, dis donc. Voilà, les amis. À très vite, putain de doublon. Prenez soin de vous. Ciao et merci.